Bonjour, je suis Emmanuelle Mandil, directrice au sein du centre Anjayati, qui est un centre spécialisé dans le bien-être. Je me suis reconvertie il y a maintenant 10 ans dans les métiers du bien-être et l'objectif de cette vidéo, eh bien, c'est de partager avec vous mon expérience pour vous aider à réussir votre reconversion si vous souhaitez vous reconvertir dans ces métiers et en même temps vous donner tous les conseils que j'aurais aimé avoir à l'époque pour vous aider à trouver certainement la bonne voie dans les métiers du bien-être. Donc première question, déjà, quel métier allez-vous choisir ? Je suis toujours assez surprise quand on me sollicite quelquefois de voir des gens qui ont envie de se reconvertir par exemple en professeur de yoga ou quelquefois en masseur et qui n'ont jamais fait de yoga ou qui n'ont jamais été massés. Donc vraiment le premier conseil que je vais vous donner c'est de bien choisir la discipline. Il y en a des tas dans le bien-être entre la sophrologie, les soins énergétiques, le massage, le yoga, etc. etc. Donc déjà qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous plaît? Ça veut dire que le minima quand même c'est d'avoir testé au moins la discipline, soit d'avoir pris des cours de yoga, soit de vous être fait masser plusieurs fois, soit d'avoir, bénéficié d'une séance de relaxation, de sophrologie. Il faut que la technique vous parle, ça va être votre futur métier, vous allez le vivre au quotidien tous les jours, vous allez le pratiquer avec plein de personnes. Donc pour moi, vraiment l'indispensable, la première chose, c'est d'être sûr que ça vous plaît. Vous avez des tas de centres qui proposent des initiations, on peut venir faire un cours, des fois le cours d'essai peut être gratuit, ou vous pouvez avoir des petites initiations de formation pour voir par exemple si le toucher vous plaît. Masser sans jamais avoir été massé sans jamais avoir touché personne, c'est pas du tout évident que ça va convenir. Entre les gens qu'on aime, son conjoint, ses enfants et des inconnus, quelquefois le pas il est vraiment important. Donc la première chose c'est de bien déterminer votre discipline. Attention aussi à pas partir un peu dans tout et n'importe quoi. On voit des gens qui se forment dans toutes les techniques possibles sans qu'il y ait de lien. Je vais prendre mon exemple personnel. Moi, je suis devenue professeure de yoga, donc je m'étais formée au yoga depuis pas mal de temps. À côté, je massais. C'est pas spécialement des disciplines qui sont liées, même si elles passent toutes les deux par le corps. Et quand j'ai voulu continuer mes formations, j'ai choisi une formation de naturopathe parce que pour moi, justement, elle faisait le lien. La naturopathie travaillant l'alimentation, mais passant par le corps et par la détente de l'esprit. Et je trouvais que c'était très cohérent ensuite de pouvoir proposer ces trois choses à mes clients. Si vous allez d'un côté apprendre, un soin énergétique, et puis de l'autre côté de l'hypnose, et puis de l'autre côté, quelle autre technique, sans qu'il y ait vraiment un lien, ça peut sembler un peu brouillon. On voit des gens qui sont très touche-à-tout, mais quelque part, il n'y a plus de notion d'expert. Rappelez-vous que si vous décidez à un moment de vous reconvertir, vous avez envie de gagner votre vie. Et pour gagner sa vie, il faut que ça semble cohérent aussi au client qui va venir vous voir, qui comprenne le lien dans ce que vous proposez et que ça ne donne pas l'impression d'être un peu multitechnique sans bien savoir ce qu'on a envie de faire. Donc vraiment, première question, qu'avez-vous envie de choisir comme activité? Le bien-être, c'est vaste et il ne faut pas vous tromper parce que ça sera votre future activité demain. Il ne faut pas dans 6 mois, dans un an, vous dire « je me suis reconverti, mais tout compte fait, j'aime pas ça ». Donc première chose, testez toutes les techniques qui existent pour vous rendre compte et pouvoir choisir ce qui vous plaît le plus. Deuxième point, pour réussir votre reconversion dans le bien-être, il va falloir vous former. Il va falloir vous former à deux choses. La première, bien sûr, votre métier. Vous avez choisi donc la compétence ou les compétences que vous avez envie d'avoir. Maintenant, il va falloir les apprendre. Attention à tous ces apprentissages qui vont un peu vite et qui, généralement, ne vont pas faire de vous quelqu'un de très, très compétent en la matière. Je vais toujours prendre l'exemple du yoga. Moi, je me suis formée en yoga, ça a duré 4 ans et je pratiquais déjà le yoga depuis de nombreuses années. Vous avez aujourd'hui, parce que c'est à la mode, des formations de professeurs du yoga où vous allez pouvoir partir 3 mois et revenir avec votre diplôme. Bien évidemment, ça ne va pas être le même accompagnement dans le quotidien et vous n'allez pas pouvoir apporter la même chose à vos clients. En massage, même exemple, nous on forme au massage, on a des gens qui viennent apprendre un protocole et qui ensuite s'installent. Ils ne donneront jamais la même qualité de massage, la même qualité de prestation que quelqu'un par exemple qui aura appris 10 protocoles qu'on aura vu pendant un an et qu'on aura fait évoluer au fur et à mesure des formations. Meilleure sera votre technique, plus votre client va revenir. Donc voilà, donc attention, dans le bien-être, on trouve beaucoup de formations un peu rapides, sur Internet, pas toujours d'ailleurs avec des bons conseils. Faites attention à être crédible vis-à-vis de vos clients et puis surtout de ne pas faire de bêtises dans votre pratique. Deuxième chose importante liée à cette activité, à cette formation, c'est que souvent ce qu'on oublie, c'est que bien sûr on va être praticien en quelque chose, on va maîtriser une ou plusieurs techniques, mais aussi on va devoir développer un chiffre d'affaires. Et ça souvent, c'est pas le fort des gens qui vont se reconvertir dans le bien-être. Ce choix de reconvertir
reconversion, c'est souvent des tempéraments qui ont envie de s'occuper des autres, on aime les autres, on a envie d'apporter du bien-être aux autres, de faire du bien aux gens, et on s'oublie souvent un petit peu dans l'histoire, ou en tout cas on n'est quand même pas les rois du démarchage commercial, pour se vendre, etc. Or c'est important, développer une activité, bah, il faut être capable de se vendre, de créer des réseaux, des relations, etc. Donc n'hésitez pas à mettre du budget aussi dans ce type de formation si vous sentez que c'est pas quelque chose dans lequel vous êtes très à l'aise, pour vous permettre de réussir le développement commercial. Donc deux points, un bon praticien d'un côté, mais en même temps un bon chef d'entreprise, un bon commerçant de l'autre côté. Troisième point, comment planifier sa reconversion dans le bien-être ? Ce sont des métiers qui demandent un temps de formation, un temps d'installation, etc. Plus vous allez pouvoir anticiper ça en même temps que votre carrière professionnelle, plus ça sera, on va dire, confortable pour vous. On voit pas mal de personnes qui sont souvent demandeurs d'emploi, qui ont quitté leur emploi pour plein de raisons et qui vont vouloir se former et s'installer ensuite. Ça va beaucoup dépendre de vos besoins financiers. C'est long de développer une clientèle. On va pas faire un chiffre d'affaires important les 2-3 premières années. Quelquefois, on arrive tout juste à se verser un salaire. Ça, il faut bien l'intégrer parce que sinon, vous allez mal vivre votre reconversion, vous allez mal vivre les annulations de rendez-vous, ce genre de choses. Donc, plus vous allez pouvoir anticiper, si vous êtes par exemple encore en poste, commencer à vous former au métier qui vous intéresse, alors que vous avez toujours un salaire à côté, commencer à planifier votre installation, faire un business plan, regarder la rentabilité de votre activité, mettre des sous de côté peut-être pour pouvoir vous payer dans un premier temps, anticiper le départ de l'entreprise, peut-être une rupture conventionnelle, peut-être voilà, une démission, mais en tout cas en connaissance de cause, ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus serein dans votre activité et de le planifier tranquillement. Rien n'est pire que d'avoir cette pression du chiffre d'affaires, cette pression du client qui ne vient pas au départ, pas parce qu'on n'est pas bon, juste parce qu'il faut du temps. Plus vous aurez anticipé, plus vous avez de chances de réussir vraiment dans votre projet. Quatrième et dernier point, je pense, pour cette vidéo sur la reconversion professionnelle, eh bien, si vous décidez de prendre soin des autres, donc de vous orienter dans le bien-être, ça sera très important de prendre soin de vous. C'est très coûteux que de s'occuper des autres, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'être centré, d'être assez clair aussi dans sa position de vie. Donc prévoyez du temps pour vous, donc quand vous allez réfléchir à votre projet, ne partez pas sur une activité qui vous occupe à 200% de votre temps, prévoyez des temps pour vous former, pour continuer à vous former, des temps pour identifier peut-être des faiblesses que vous n'avez pas vues au départ et pour pouvoir à nouveau apprendre sur ces faiblesses-là, et des temps pour pratiquer. Pratiquez vos techniques. Si vous avez choisi d'apprendre le massage pour vous faire masser, d'apprendre le yoga, pratiquez le yoga. Si vous avez décidé d'être sophrologue, de vous offrir des séances de sophrologie. Surtout qu'il n'y ait pas de frustration ensuite. Vous allez voir, là je parle vraiment de par mon expérience personnelle. Au départ, on veut tellement développer son entreprise que vraiment on va vouloir beaucoup, beaucoup travailler. Et il y a un moment vraiment un épuisement qui peut arriver. Et on dit toujours qu'on ne s'occupe bien des autres que si on s'occupe de soi-même. Donc pensez dès le départ à vous ménager des petits temps pour prendre soin de vous. Voilà, j'espère que toutes ces explications, tous ces conseils vous aideront à préparer sereinement votre reconversion dans les métiers du bien-être. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, eh bien un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je publie régulièrement également des émissions de radio que j'anime à côté et il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis dans le bien-être qui sont interviewés, donc ça peut être intéressant pour vous d'entendre le partage de leur expérience. Si vous êtes intéressé par le massage, eh bien vous trouverez également sur la chaîne plein de vidéos de massage et bien sûr, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux.